Bonjour, aujourd'hui, ça bouffe un léopard. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Un léopard de la province indienne de Panhar serait le félin mangeur d'hommes le plus prolifique de l'histoire. En effet, il compterait plus de 400 victimes à son actif. Alors pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Michel Kilucru. Bonjour Michel, où êtes-vous ? Eh bien, je vous appelle de la gendarmerie de Saint-Pierre-City, où j'ai retrouvé mon petit cruchot. Alors Michel, est-ce que vous confirmez cette info au BVI ? Eh bien oui, je confirme. Voilà, quelle histoire ! J'ai même rencontré ici les victimes de ce léopard. J'ai travaillé un peu à l'accueil du paradis en intérim. Je peux vous dire que le léopard dont nous parlons, il s'appelle Philippe. Philippe Léopard. Quelle coulonnade. Ça fait du bien de rigoler un peu, hein. Non, alors, plus sérieusement, le léopard, je l'ai croisé aussi là-haut, après qu'il se soit fait tuer par un chasseur. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'avait pas la tronche de quelqu'un qui avait fait un festin. On leur a dit qu'il n'avait bouffé que les anorexiques. Ouais, il était maigre. Enfin, maintenant, quand il a faim, il ne se sert plus au hasard. Il demande. Je l'ai même entendu dire « s'il vous plaît ». Et en indien, en plus. Merci, Michel Kilucru, d'avoir validé cette info BVI. Ouf, vous savez, n'hésitez pas à m'appeler, même en PCV. Surtout le matin, pour vous. C'est l'heure où Cruchot fait sa sieste. Et je le ferai, Michel. Mais vite alors, hein, très vite, parce que je m'emmerde ici. Je m'emmerde ici au paradis, si vous saviez comme je m'emmerde. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.